Eh bien, salut à tous. Nous en avions discuté sur Facebook pas plus tard que hier ou avant-hier après-midi. Vous disiez, donc j'avais lancé un petit sondage concernant quel jeu rétro vous vouliez voir comme prochaine vidéo rétro sur ma chaîne. Donc après un petit sondage et pas mal de votes pour Zelda Ocarina of Time, j'ai donc décidé de vous faire cette petite vidéo sur Zelda Ocarina of Time. Le jeu étant connu de pas mal de monde à l'heure actuelle, hein, c'est un jeu qui est sorti en 98 sur Nintendo 64 initialement, j'ai décidé de prendre la liberté de vous faire cette petite vidéo sur Project 64. Tout simplement parce que une certaine personne du nom de Federelli avait créé il y a quelques temps un pack de textures HD donc pour Zelda Ocarina of Time. De nos jours, c'est Kaman qui a pris le relais et qui continue d'enrichir ce pack. Donc c'est pour ça que je voulais vous en faire une petite présentation, comme ça vous aurez à l'image quelque chose de vraiment joli et en 1080p à regarder. Donc c'est la version Nintendo 64 hein, qui est émulée sur l'émulateur Project 64. Nous allons donc voir un petit peu de quoi il en retourne, donc de ce jeu qui était sorti, comme je l'ai dit, sur Nintendo 64 dans les années 98, un petit peu avant au Japon. Moi, c'est un jeu, pour ma part, qui m'avait hautement captivé lors de sa sortie, bah, tout simplement, premièrement, parce que c'était le premier Zelda en 3D. Hein, avant cela, nous avions eu deux opus sur Nintendo NES et un opus, le Zelda 3 A Link to Past sur Super NES. Donc celui-ci marquait un tournant vraiment décisif pour la série, puisque le jeu était en 3D, contrairement à d'habitude. Donc là, je vous ai mis quelques-unes des séquences cinématiques d'introduction. Tout simplement, premièrement, parce qu'elles sont très jolies donc dans cette version remasterisée avec des textures en HD. Et puis, comme ça, bah, ça vous permettra de voir un petit peu la différence qu'il peut y avoir entre la version que vous aviez dans vos souvenirs. Là, on voit Ganondorf, donc, qui est le grand méchant de la série des Zelda. Donc, dans ce jeu, nous incarnons Link. Au départ, il est enfant dans le jeu. C'est un petit enfant qui n'a pas de fée. Donc le grand arbre Mojo va lui en donner une, c'est la fée que nous voyons là à l'heure actuelle à l'image, donc qui se promène et qui va aller dans la petite maison de Link. C'est le seul donc des Kokiri, les Kokiri étant le groupe de petits personnages qui composent le village dans lequel nous nous trouvons. Et Link étant le seul à ne pas avoir de fée, et donc le grand arbre Mojo va lui confier une fée. Tout simplement parce que dans le monde de Zelda, bah, y a toujours des problèmes. Une fois de plus, il y a encore des problèmes. Ganondorf fait encore des siennes. L'arbre Mojo est épris par une malédiction qu'il va falloir qu'on résolve un petit peu. Il va falloir qu'on sauve le monde, hein. C'est un petit peu le but des Zelda. Mais voilà, c'est une série qui perdure depuis des années, et les opus sont vraiment sympas. Donc là, voilà, on voit Link, le feignant, qui est en train de dormir, qui va se faire réveiller par sa fée. Je vous ai entrecoupé les séquences, hein, tout simplement, pour pas que ce ne soit trop long. Donc là, on voit que pour pouvoir aller voir le grand arbre Mojo, bah, en fait, il va falloir qu'on s'équipe donc d'une épée que nous allons trouver au sein du jeu en farfouillant un petit peu. Donc là, on va voir donc pour la première fois dans le jeu l'animation donc de Link qui cherche dans le coffre avec le... Voilà, cette petite mélodie quand on découvre un objet qui est bien connu des anciennes versions de Zelda. Une fois que nous aurons fait cela, donc que nous aurons récupéré cette petite épée, eh bien il va falloir qu'on trouve un petit peu d'argent, donc à droite à gauche, en cassant des buissons, ou comme là, en allant dans les maisons et en fouillant un petit peu dans les coffres, donc pour récupérer des rubis verts qui correspondent en valeur marchande à 1 rubis, les rubis bleus qui correspondent en valeur marchande à 5 rubis, et les rubis rouges qui correspondent en valeur marchande à 20 rubis. Donc une fois que nous aurons récolté les 40 rubis nécessaires à l'achat du bouclier, nous nous rendrons donc dans le shop du village afin d'acheter le fameux bouclier. Une fois le bouclier étant en notre possession, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Et nous allons nous diriger directement vers donc le grand arbre Mojo. Donc là, on voit un petit peu l'aperçu de la boutique dans lequel on peut voir des graines Mojo qui serviront un petit peu plus tard dans le jeu
pourrait être utilisé avec le lance-pierre. On peut voir les cœurs qui nous remettent de la vie. On peut voir également des arbres, enfin des branches d'arbres mojo qui nous serviront un petit peu plus loin. Bon, moi je n'achète strictement rien à l'heure actuelle, hein, tout simplement, puisque on va récolter tout ce qu'on a besoin directement dans le donjon auquel nous allons faire face. Et il est temps maintenant de se rendre donc à l'arbre mojo. Donc comme vous le voyez, hein, le jeu n'est pas parlé, hein, le jeu était sur une cartouche, sur Nintendo 64, donc il n'y a pas de parole, c'est juste de la lecture. De temps en temps, nous entendrons des petits « Hey !» C'est quand la fée veut nous parler. Donc en fait, on apprend qu'il est tourmenté donc par une malédiction et des forces obscures qui grandissent, et une aura maléfique qui s'étend sur le monde, pervertissant nos rêves de sombres cauchemars, etc. Donc en fait, il va nous inviter, maintenant qu'on a notre épée et notre bouclier, à rentrer à l'intérieur donc de son arbre. Et une fois que nous serons à l'intérieur, ben, il faudra braver diverses épreuves, ouvrir donc des coffres comme par hasard, comme à présent par exemple, pour récupérer la carte du donjon. Il y a également une boussole qui nous indiquera où sont cachés les coffres et autres boss ou demi-boss que nous allons pouvoir trouver dans les différents donjons. Donc là par exemple on voit des araignées devant lesquelles, lorsqu'elles deviennent violettes, il faut arrêter de bouger, sinon elles nous foncent dessus et nous font tomber. Donc il y a tout un tas d'énigmes également. C'est vraiment un jeu qui est super connu de pas mal de monde. Moi, sur lequel je prends vraiment plaisir à revenir assez fréquemment, surtout sur l'opus Super Nintendo. Pourquoi, je ne sais pas. Je n'ai pas fait le dernier opus sur la version Wii, bah, tout simplement parce que jouer avec la Wiimote et le Muchouk ne me plaît pas spécialement. Gesticuler devant... J'ai fait le Twilight Princess sur GameCube justement parce qu'on pouvait y jouer à la manette. Là, on voit Link donc qui va récupérer le lance-pierre avec lequel nous allons utiliser donc les graines de Mojo pour déverrouiller certains mécanismes ou tout simplement pour tirer sur les monstres. Donc là on va maintenant voir, donc là comme vous le voyez, hein, il y a toute une partie tutorielle qui nous explique comment assigner le lance-pierre à sa manette. D'ailleurs, je tiens à préciser que donc pour cette vidéo, étant donné que j'étais sur PC et que je jouais avec une manette de Xbox 360, les commandes m'ont paru vraiment extrêmement compliquées à prendre en main, du fait qu'on est obligé de remettre des boutons qui étaient sur une manette Nintendo 64 qui étaient parfaitement adaptés à ce jeu. Donc vous le verrez, de toute façon le jeu va prendre une tournure et je vais mourir tout simplement très très bêtement à la fin de la vidéo. Parce que la manette c'est vraiment un problème. Donc pour vous faire cette vidéo, je me suis pas mis sur la version 64 parce que je voulais vraiment vous proposer quelque chose de pas nouveau, puisque le pack de texture HD est sorti quand même depuis pas mal de temps, mais je voulais vous proposer quand même quelque chose d'agréable, de joli à regarder avec ce qui peut se faire maintenant. Et tout simplement la maniabilité est vraiment pas au point, donc voilà. Moi, pour ma part, donc je vais vous laisser sur ces quelques images, hein. Il ne reste plus longtemps de vidéo, il doit rester approximativement 1 minute 30. Je tenais encore une fois à tous vous remercier, hein, pour tout ce que vous faites sur Facebook, etc. Il y a vraiment une grosse participation à cette espèce de petit groupe communautaire que j'ai fait. Tout le monde partage, tout le monde rigole. C'est vraiment super sympa. On a organisé un concours ce week-end dernier donc pour vous faire gagner une clé. Bon, il y a eu un petit couac, c'est vrai qu'il y a eu une tentative de tricherie, mais bon, ça on va essayer d'oublier, hein. J'espère que ça aura pas foutu la mauvaise ambiance. Donc, comme vous l'avez vu, hein, je m'en suis rendu compte et j'ai pris les mesures nécessaires, et la personne qui a essayé de tricher a bien été avertie, et il n'y aura pas de deuxième fois de clémence, hein, en cas de tricherie. Voilà, je pardonnerai pas une deuxième fois. Donc voilà, je vous laisse sur ces quelques images. Vous allez voir que juste après cette porte, je vais mourir lamentablement face à une plante, hein, qui est un ennemi basique du jeu. Mais voilà, je voulais juste vous faire cette petite vidéo donc d'aperçu découverte ou redécouverte sur cette version HD, afin que les gens puissent se faire une idée de ce que ça pouvait donner le remake de Zelda en version HD sur PC. Voilà, je vous laisse sur cette mort malheureuse, en vous souhaitant comme d'habitude de bien vous amuser et en vous disant à la prochaine fois. Allez, à tout le monde.
Yeah.